Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Pendant cette semaine de reprise et de soutien, je vous propose quelques activités. Alors prenez s'il vous plaît votre livre préféré sous forme de cahier d'activités. L'arbre, c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Et pour aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques soutiens et approfondissements. Alors, prenez s'il vous plaît votre cahier d'activité, page 40. Ouvrez à la page 40. Alors, soutien, semaine de reprise. Complète les mots avec i ou i et ajoute les déterminants que convient, soit le, la, les et l'apostrophe. Par exemple, ici, on dit le réveil. Le réveil. Le portefeuille. Le portefeuille. Les corbeilles. Avec deux L cette fois. Le réveil avec IL. Le portefeuille avec I deux L. Les corbeilles. Le sommeil avec IL. La bataille avec I deux L. La feuille. Les orteils. Les orteils avec IL. ILS, les volailles, pardon, la volaille, les écureuils, avec IL à la fin, ILS, le réveil, le portefeuille, les corbeilles, le sommeil, la bataille, la feuille, les orteils, la volaille, les écureuils. Alors, IL, j'ajoute ici des lettres IL, ça prononce I, ici, 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 ici. I deux L, j'ajoute ici, 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 et ici. Associe chaque verbe à la terminaison du présent qui convient. Alors, mon frère attrape avec E à la fin. La balle, tu essaies avec ES à la fin. Ton nouveau vélo, elle joue avec E à la fin. Avec ses camarades, je respecte avec E à la fin. Les règles, je respecte les règles. Il joue avec ses camarades. Tu essaies ton nouveau vélo. Mon frère attrape la balle. Approfondissement. Lis le texte, entoure les déterminants et complète le tableau. Assis sur la plage, mon frère regarde des mouettes. Elles volent près du rocher et plongent pour attraper un poisson. Les pêcheurs ne sont pas contents. Les oiseaux effraient les poissons. La pêche ne sera pas bonne aujourd'hui. Alors, les déterminants singuliers, les déterminants pluriels. Alors, on dit la plage. La plage, là. C'est un déterminant singulier. La plage. Mon frère aussi. Mon. Quoi d'autre? Un poisson. Un. Et là. Pêche. Alors, là. Mon. Un. Ce sont les déterminants singuliers et les autres, c'est les déterminants pluriels. Par exemple, les. Alors, uniquement les. Et si les mouettes, les pêcheurs, les oiseaux. Complète des phrases avec un mot de la liste. Feuille, abeille, conseil, groseille, groseille. Nous ferons nos exercices sur une de classeur. Sur une feuille de classeur. Tous les matins, je déjeune avec de la confiture de... groseille.
Alors, le maître me donne un conseil pour réussir mon exercice. Fais attention, on peut te faire piquer par cette abeille. Alors, nous ferons nos exercices sur une feuille. Tous les matins, je déjeune avec de la confiture de groseille. Le maître me donne un conseil pour réussir mon exercice et fais attention, on peut te faire piquer par cette abeille. Alors, écris une phrase au présent en utilisant le verbe et le sujet que l'on te donne. Par exemple, mon père ramasse des champignons. Je donne un stylo à mon camarade. Tu lances la balle à ton ami. Elle regrette car elle regrette de sa faute. Elle regrette car elle a commis une faute. Car elle a commis une faute. Alors, c'est tout pour le moment. J'espère que cette séance de semaine de reprise et de soutien vous a plu. À la prochaine. Thank you.